Salut, petit message avant la vidéo pour vous dire que je reprends ma chaîne de VOD. Sur ma chaîne de VOD, vous allez retrouver très simplement des vidéos coaching, des vidéos en surplus que j'ai sur mes guides GM Chal sur ma chaîne principale, mes gameplays, des tests. Enfin, c'est un peu une chaîne où il y aura de tout, il y aura aussi des best-of. Voilà. Tu peux venir en live tous les jours sur Twitch à partir de 14h si tu veux venir passer dans les vidéos, venir jouer avec moi, tout simplement. Pense à t'abonner aussi à la chaîne de VOD, ça soutient de fou. Merci. Oh, on va jouer un petit Malphite en vrai, j'ai envie de jouer Malphite. Ah, ils l'ont ban. Moi, bon, je veux une petite Morgana alors. Petite Morgana en vrai, les gars. Je jouerais bien comme ça en jungle en vrai. C'était sympa de jouer contre toi, j'étais le Lee Sin de la dernière game. Bien joué, Castrateur. Bon, les Q-spells dans les bushs, ça m'a pas fait rigoler, mais bien joué à toi. Bien joué, bien joué. Après, j'étais sur Fiora. J'aurais été sur Lilia, castrateur de castor, il se peut que... Bon, je dis les termes, je t'aurais sans doute jungle gap. C'est le mec qui est full ego. Non, mais je vais mon frérot, bien joué, attends. C'est pas évident en plus ici, non. T'inquiète, dites frérot, le plus important c'est de le faire un jour. Ok les gars, plus que 38 abonnés sur YouTube et on est 20 000, sa mère. Non, bien joué mon frérot, bienvenue à toi sur le stream. Et pour ceux qui veulent venir jouer en draft, les gars, pour escalation draft, il faut mettre vos pseudos à la fin de la game. Bon, Morgana, les gars, je n'ai pas joué le champion depuis un long moment. Le champion n'est pas mécaniquement très dur. Alors, j'ai pas trop regardé les nouveautés qu'il y a eu sur l'ulti, etc. Je sais pas s'il y a des gens qui peuvent me rafraîchir la mémoire dans le chat. C'est aussi pratique d'avoir un live. Est-ce que vous pouvez me rafraîchir un petit peu la mémoire, me dire un peu... Je sais que le R, tu gagnes de la move speed maintenant. En face, il y a un... C'est en face ou c'est avec nous? Non, c'est en face. Il y a un Aphelios Ghost Cleanse. D'accord, donc un Aphelios, c'est un peu en roue libre. Ça va et toi, Sissou? Bon, si la vidéo se passe bien, je la mettrai sur YouTube. Franchement, je joue pas à Morgana, donc je peux pas t'aider, t'inquiète. Avant, tu gagnais de la MS vers les ennemis, maintenant, tu gagnes de la MS tout court, je crois. Ah, ok, ok. Ok, top. Mais je suis à deux doigts de jouer célérité sur Morgana pour te dire. Y en a qui ont testé Morgana jungle dans le chat ou pas encore? T'es plat la Iris? Je suis platin mais tous mes comptes sont en MMR Emerald donc je tag du Emerald 3 toutes les games quasiment. Mais attends, Morgana jungle c'est plus joué depuis 4 saisons non? C'est revenu Roi Trenda. Là, bah, ce compte-là, il est platin. Mon compte Smurf, il est plat 2 MMR Emerald. Et mon compte, mon troisième Smurf, où je joue full solo, il est plat 3 et je tag du Emerald 2-3 dessus. Donc, celui qui a la meilleure MMR, c'est celui qui est le plus bas elo. Mais bon, en vrai, je joue déjà un Emerald en soi, tu vois. Mais je suis pas Emerald pour l'instant. Après, je joue très peu en ranked, en vrai. Je joue très, très, très peu en ranked. Le jeu ranked me dégoûte un peu en ce moment. Voilà, je vous dis la vérité. Je fais des games où je suis pas excellent, tu vois. Je suis pas excellent, franchement. Je fais pas les meilleurs games du jeu, tu vois. Mais j'ai des mecs qui sont full toxiques. J'ai beaucoup de mecs. Et je pense qu'il y en a beaucoup dans le chat, dites-moi. Mais là, en jungle, actuellement, c'est un enfer. Pourquoi avoir plusieurs comptes? Ça, c'est mon main compte qui s'appelle TDS Iris. Sur lequel je fais toujours mon petit rush de début de saison, etc. Jusqu'à ce que j'arrive à plomber mon MMR parce que j'arrive à mon elo max et je fais toujours des loses à 0 LP. Moi, ma spécialité, c'est de perdre 10 games à 0 LP, tu vois. Donc là, en général, dès que mon compte, il fait du plus 20, moins 40, bah, j'ai envie de crever. Donc je vais faire des duo Q. Après, je m'en compte Iris Roi Golem, qui lui est mon compte pour duo Q avec les viewers. Donc tous les jours, je prends un viewer, on fait des petits duo Q ensemble, etc. Je monte le compte en duo Q viewer. Voilà, c'est l'avantage d'être pas trop elo, c'est que je peux jouer avec vous. Et mon troisième compte, c'est vraiment mon compte full tryhard où je fais que 3 games par jour. Enfin, même en fait, je fais moins que ça, je fais 6 games par semaine. Je fais 3 games de temps en temps et ça me permet en fait de changer. C'est plus pour la qualité du stream parce que si je rentre dans la solo queue, bah, hier par exemple, j'ai fait un stream où j'étais un petit peu. C'était pas désagréable en stream, mais je suis pas un mec qui rage énormément, tu vois. Mais tu sais, t'es saoulé quoi, t'as pas envie de parler, t'as pas envie de rigoler, t'as pas envie de t'amuser, tu vois. Donc voilà. Tout simplement pourquoi voilà, j'ai 3 comptes. Mais ça, c'est vraiment pour tourner dans ma programmation de vidéo et pour pouvoir bah, produire du contenu plutôt agréable, tu vois. Et en plus, ça me permet aussi de faire du contenu viewer avec le compte du OQ viewer. J'ai envie quand même de vous garder au centre de mon stream, tu vois.
J'ai vraiment envie que vous radiez le stream parce que vous aimiez, parce que voilà, j'ai envie de vous garder au centre du stream, quoi. C'est... N'oublions pas que sans vous, j'en suis pas là où je suis aujourd'hui, donc... J'ai envie d'installer le jeu à cause de ça. Yo, nuire cause. Sur les PS stream, je suis chez mes parents. Est-ce que d'autres personnes ont des problèmes de connexion? Là, moi, pas moi, en tout cas, Dose, mais s'il y en a qui est dans le chat, dites-toi. Ça vient peut-être de toi, mon frérot. Moi, perso, quand j'ai des games trop tiltant, je quitte le jeu et je reviens 30 minutes après. Ouais, mais quand t'es en stream, tu peux pas. En fait, ça qui est dur. En fait, ce qui est dur en tant que streamer, et ce que beaucoup de gens comprennent pas, c'est qu'en fait, on peut pas faire de pause. Moi, je peux pas faire de pause entre mes solo queues. C'est impossible. Parce que bah du coup tu ruines l'expérience du stream en fait. Oh j'aurais peut-être aimé un petit lich en vrai, je viens d'y penser. Tu vois quand t'es streamer tu peux pas faire de pause et c'est dur ça. Oh le premier clear il est horrible, j'aurais dû commencer Krugs je pense ou Lou. Premier clear pas incroyable hein. Ouais mais c'est pas marrant, pareil à regarder les Aram, c'est pas intéressant iShine tu vois. Moi je pense d'abord au contenu stream, streamable avant. Je pense que des Aram c'est pas super à regarder, on va pas se mentir quoi. Je pense que le chat va le dire mais il y a plus sympa à regarder que des Aram quoi. Bon le premier clear il est pas incroyable hein. Je pense que tu veux vraiment counter une Morgana, faut vraiment l'invade hein. Bien joué. Ouais non mais même pour les spectateurs c'est pas super intéressant quoi surtout. Ah je pense quand même que les lucidités sont bonnes sur Morgana plus que les célérités. Moi je trouve ça fun. Ouais moi je trouve ça pas super intéressant à regarder. Après encore une fois comme je dis je privilégie le content avant tout. Par contre pour le coup le kiting que tu peux faire avec le... Putain je perds pas de mana c'est fou. Franchement ça va hein, franchement pour un solo start et tout je m'en sors bien hein. Pour un solo start franchement je m'en sors bien, faut juste mettre 2 points dans le Z en vrai. Merde j'ai pas augmenté mon Black Shield, je suis con. Mais je ferai toujours passer le stream avant les LP, les... Attends. Merde. Bon là j'ai plus rien, c'est chaud hein. Il me barre, est-ce que j'ai plus rien ou quoi? Ah putain. Putain de merde. Dommage, j'avais bien joué sa mère. Je sais pas comment jouer par contre en jungle. Je sais pas comment jouer. Pokar, je mets ton live en fond pendant que je joue. Ok, ça marche, Younes. Je viens de faire une game masterclass et mes lanes se sont fait solo kill, boucle 0 head sur les ganks et objectifs pour qu'ils FF quoi. Ah bah Ant-Man, c'est chose qui arrive malheureusement. Ça frérot, c'est comme on dit, c'est Dieu qui donne. Hein. Ouais, je pense qu'il y a un Drix pas mal. Après, il y a... Y a pas de gros tank. Là j'ai un peu troll parce que du coup j'ai perdu la vision. Merde. Parfait. Ça c'est parfait par contre. Ok bah c'est vraiment pas mal hein, pour le coup Morgana. En fait j'aurais dû prendre peut-être des dégâts pour clear la jungle, je viens de capter que je pense que le chapter était mieux que les bots. Je pense que je peux pas vraiment faire comme Lilia.
Merci Gaspard. Tu peux pas vraiment faire comme Ilia, je pense, avec le champ. J'aurais dû partir le chapter pour au moins avoir des dégâts. Après, le liandry est pas foufou là, mais bon, je pense que ça fait quand même des dégâts. Vu qu'il y a que des squishy, je serais bien même parti Luden cette game, tu vois. C'est con, mais je pense que Luden c'est pas con. Everfrost c'est pas mal non plus, je pense. Peut-être augmenter le Black Shield un jour comme un. Il serait peut-être temps d'augmenter le Black Shield aussi que j'ai oublié d'augmenter depuis le début. Le clear est franchement correct, honnêtement. Le clear est honnêtement largement correct, les amis. Clear très correct sur Morgana, j'apprécie. Voilà, j'ai été un peu con parce que du coup, je les ai pas laissés dans la zone. Bon, ça se voit que je joue pas Morgana jungle depuis longtemps, mais j'aime bien en vrai. Qui sera de prendre le Black Shield à 1-5. Non mais ça c'est du troll par contre, c'est my bad. Par contre les gangs ils sont punitifs quoi. Les gangs qui sont vraiment punitifs quoi. Genre une cage à mort quoi. Y a pas de ralentir quoi. Il est au top. Ok, il est mid. Viens vers moi. Je sais pas si tu peux venir vers moi avec ton. Ok. J'arrive. Faut juste que je pense à Black Shield. Ça, c'est pas un truc que j'ai l'habitude de faire aussi. Ça. Je vais juste l'aider à push. J'aime bien en vrai quand même. C'est pas mal. Je pense à voir ce que ça donne sur les Drake. Après là je vais avoir des dégâts enfin. Là ce qui me manquait c'est d'avoir des damage, j'en avais pas. On va faire un Dark Steel quand même en vrai. Je pense que c'est pas mal. Ah je pense presque même que. Je me demande si le. Merde comment ça s'appelle. Si le Medjay serait presque core item vu que ça donne de la move speed. Faut monter le Black Shield niveau 6 comme ça ils ont peur en croyant que tu as ton R et niveau 7. Exactement. Tu casses les couilles. Ah ok bon c'est bien joué de sa part ça. Il m'a invade c'est bien joué. Là j'ai la pris au top donc on va faire ça d'abord avant de faire le bleu. Mais je pense quand même que le champion en early ça va et toi Young. Je pense que le champion en early est facilement contrable avec une invade. Un peu comme il y a. Merde ça c'est chez ma grand-mère. Fermez les portes les gars c'est chez vous. Champion est pas ouf en early, il peut se faire invade comme une Lilia, je dirais. Il va venir juste prendre les 100 gold, le chien. Oh, le chien. Oh, il est là juste pour les 50 gold. Oh, le bâtard. Oh, le scammer absolu. Ah, t'as reçu le Q-spell chez toi. Ah, excusez-moi, les gars, pour ceux qui ont reçu le Q-spell chez eux. Excusez-moi, les gars. Là déjà avec le chapter ça va plus vite. Oh la hitbox elle est chelou. Eh ben c'est pas mal en vrai Morgana jungle. L'autre tu la stun pendant 15 ans. Il a le temps d'avoir 4 enfants. Je pense que je peux jouer au bot là. Trop con lui. Il est trop con. Allez, casse-toi de là. Thank you.
Putain. Ça s'est joué à rien, putain. Ça s'est joué à rien. Ah, je fais le fumé quand même. Je fais le fumé. C'est trop marrant que ma grand-mère est stun depuis que tu as joué H. Je ferme les fenêtres à chaque stream maintenant. C'est vrai que mes arrows de H, elles sont un peu gourmandes aussi. Par contre, il m'outfarm par contre. Par contre, je me rends compte que j'ai même pas utilisé mon ulti encore. Mais je pense que l'ulti se joue beaucoup en teamfight, non? Ouais, refly. L'ulti se joue beaucoup en teamfight, non? Après, ma team est trop forte. Merci Kimino, merci beaucoup. Ah ben là les gangs qui font mal Bagatin, hein, tu touches un Q-spell, c'est fini. Hein. Ça va être vraiment tiltant. Là je commence à faire pas mal de dégâts en vrai. Là le jungler est top. En vrai j'ai juste, en fait comme je joue pas beaucoup de champions, j'ai du mal à jouer le counter invade. Mais je pense que tu pourrais très bien invade avec le champion. Fallait que Yasuo vienne avec moi, je sais pas ce qui branle. Pas mal pour les Drake, en soi pas mal pour les Drake en vrai. Hein. Les Drake tu les fais quand même assez facilement. Merde, attends mes frères, je sais pas prendre une pink aussi, je suis un golemon. Les Drake tu les fais relativement facilement en vrai. Hein. Non mais attends, mais je le massacre le Drake, what the fuck. Dommage, my bad. Je pense que dans des compos, il y a beaucoup de slow, les célérités, c'est pas déconnant. Voilà. Fous de ma gueule elle, tu te moques de qui? Eh ben c'est très fort les gars, Morgana Jungle, c'est vraiment fort putain. Attends mais c'est trop fort, c'est quoi cette folie? C'est trop trop fort. Et j'arrive même pas à l'invade tellement je focus sur mon champion pour l'instant. Yo ouais, ça vaut quoi, ça fait longtemps. Ah c'est pas mal en vrai hein. Franchement c'est bien. T'as ton Z dès que t'as ton Z quasiment dès que tu l'as, dès que t'as fini. C'est banger hein. C'est banger en vrai. Ok. Bon. Ah, j'ai abusé là. J'ai abusé. J'arrive pas à savoir à quel point je fais de dégâts là en fait. En vrai, je pense que Luden aurait peut-être été mieux. Mais en vrai, my bad là. Je me demande si Cosmic c'est pas bien en deux. En vrai, non, je pense que Zhonya c'est trop obligatoire. Le Zhonya est vraiment obligatoire sur Morgana, je pense, le temps que tu ulti. Rabadon, non, parce que je pense que t'as vraiment besoin de d'avoir des trucs qui t'empo. Mais en vrai, là, je joue pas très bien. Je joue pas très bien, j'ai du mal à jouer. Je vous fais une vidéo sur Brand Jungle dimanche d'ailleurs avec un chal. Et voilà, niveau dégâts de jungle, les gars, c'est... En termes de clear jungle, c'est quelque chose quand même.
C'est quelque chose quand même, je vais pas vous mentir. Hein. C'est pas mal, je pense. Après, comme je dis, ça fait très longtemps que je peux jouer Morgana et c'est la première fois que je la joue en jungle. Je sais qu'il y a une période où ça se jouait pas mal et c'était assez fort. Dommage. J'ai pas assez invade, je pense, à mon goût. J'ai pas assez invade à mon goût, en vrai. J'aurais pu beaucoup plus jouer sur les invades. Voilà, je suis vu, donc elle va venir sur moi, je pense. Ok, il a du cleanse, c'est fort en vrai. Hein. Il a du cleanse instant. Ah, ça c'est... Je le tue, non? Ah, il meurt pas, putain. Ah, je me suis un peu fait all-in ma mère, là, c'est un peu compliqué. Je me suis un peu fait all-in. Ah, ils ont trop de dégâts, c'est chiant. Le truc, c'est qu'il me met 2 levels, du coup, avec son farm de con, là. Ça va, et toi, héros? Il m'a outfarm 1000 fois, en fait. Il est arrivé à full clear et tout. Je pense que j'ai pas assez joué le clear. Yo, le mec qui pue du cul, ça va. Ouais, c'est pas mal, mais je pense que j'ai pas assez farm, cette game. C'est un perso de setup, ça, qui est chiant. C'est pas comme Lilia, tu vois, où tu peux créer des moves. Là, c'est quand même... T'es quand même là en setup, quoi. Sauf que là, j'ai vraiment un bon clear, donc faudrait vraiment que je me mette à clear. Oh bah, je fais des draft viewers, donc ouais, c'est mieux. Hein. Lui se fait péter par ça. Ok, j'ai pas la portée. C'est quoi cette move speed? Putain. Oh, après, si tu veux vraiment, tu joues ça en setup, quoi. C'est pas mal, mais... Ok, en vrai, j'aime bien, quand même. Là, maintenant que j'ai mon pet bleu, ça ira mieux. Je pense que ça dépend vraiment des compos, les gars, pour le coup. Ok. Oh, frère! C'est bon! C'est bon, laisse-moi tranquille, mon cous! Ah, putain, on touche personne, c'est dur. Eh ben, je pensais faire une meilleure game que ça. Vu le début que j'ai eu, je me suis dit c'est bon, je vais la carry. Bah, pas du tout. Pourquoi le pet bleu et pas le rouge? Parce que je pense que tu veux de la move speed pour être rapidement dans les fights avec Morgue. Oui, Usain, bien vu. Je pense que tu veux rapidement de la move speed pour être actif. Mais bon, du coup, je fais une game de merde là. Je pensais que je ferais vraiment une meilleure game que ça. Je pensais vraiment, vu le début de game, je me suis dit c'est bon, je vais la carry, et pas du tout. Pourquoi Fly? Bah après, c'est moi qui ai mal joué Fly en vrai. Hein. Mais je pense qu'ils avaient quand même le stream. Là, le problème, c'est que la Kayle, elle est quand même bien dans la game.
Mais bon, je trouve Morgana, je trouve ça quand même faible au final, c'est pas... Bon, je trouve une cage, c'est un mort direct, je pense, hein. Faut que je pense à Black Shield. Ok. Ouais, ils sont cons. Attends, elle a pas été stun là, la Kayle? Elle a pas été stun là, la Kayle. Ok. Oh my bad, en vrai. Je pensais qu'avec le flash Q, elle serait vraiment stun. Bon, du coup, c'est my bad. Ouais, par contre, sur un vrai bon setup, c'est pas mal quand même. Sur du setup là, comme là, c'est pas mal. Mais je me demande si Everfrost, c'est quand même pas mieux au final. Même si c'est pas top top en jungle, je me demande si c'est pas mieux. En vrai, la flaque fait quand même pas de dégâts. Je suis chez mes parents, BG, c'est pour ça. J'ai un setup bah, comme si je suis chez mes parents, quoi. J'y viens pas souvent, donc... En vrai, faut que je farm. Franchement, je me suis vraiment fait out farm. Attention, les gars, vous êtes que deux. Hein. Mais ça se fait, Morgana jungle, en soi, frérot. Hein. Vraiment, pour le coup... Juste, là, je joue pas très bien, quoi, pour l'instant. Ouais, Brand Jungle, faut que je teste aussi. Ok. Ah, ok, stylé. Bon, bah, j'ai pu jouer, ça fait plaisir. My bad, je me suis fait outplay la team. My bad, je me suis fait outplay. Ok, bah, stylé. Hein. En vrai, je me dis, Riley, c'est peut-être pas dégueu avec la flaque. Je me dis, Riley, c'est pas dégueu avec la flaque en soi, tu vois. Après, je suis mort sur un timing Drake, je suis vraiment un troller. Ah, c'est dur, là, la game, elle est dure. Là, la game, elle est dure. Là, la game, elle est dure. Oh, bah, les gars, je me fais OS, quoi. C'est fine. Toute la game, je me fais OS. Après, ma out farm, il me met 70S, c'est une dinguerie. J'ai pas assez farm, je pense. J'aurais dû juste full farm et l'invade. Merde. Ok. Ah bah je fais une belle game de merde. J'avais fait un bon début et là je fais vraiment une game de merde. Non mais mec, tout le monde sait où je suis en permanence, j'en peux plus. Laissez-moi farm, en vrai, mon erreur là, c'est de pas avoir farm, je pense. J'ai voulu trop gank, c'est pas bon. Pendre le kir est vraiment pas mal une fois que t'as un peu de stuff. Non, l'Oryx, c'est fait exprès, je prends pas trinket rouge volontairement. On se fait déchirer, putain. On se fait déchirax. Faut juste aller l'époque en soi, mais bon. Ok, lui il est mort. Au moins j'ai cancel l'Ornachor, c'est big. Ah ok. Oh
Oh my, my bad, hein. Allez, hop, lui il est mort au moins. Alors Kate, j'aurais pas foncé dans l'ulti de Caitlyn, de Kayle perso, mais... Ah ok. Merci Zemelo. Alors, la Kate qui a foncé dans l'ulti Caitlyn, la de l'ulti de Kayle, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu du move là. En vrai, je vends ça, ça ne sert plus à rien là. Coucou, je voulais te remercier pour le sub de chez... Bah c'est, écoute frérot, c'est avec grand plaisir mon frérot. Et merci d'être venu te follow, c'est gentil. En vrai, on a bien joué, hein. Là, il leur cancel entièrement le Nash, c'est lourd. Hein. Bon, jungle, c'est trop fort. Je vais tester juste après, les gars, si vous voulez. D'ailleurs, je vous rappelle, les gars, si vous offrez 3 subs à la chaîne, vous choisissez mon champion. Et si vous offrez 5 subs, vous choisissez mon champion et ma lane. J'arrive. Commencez-le, j'arrive à la team. Je me dépêche. Moi, je fais une game pas ouf, en vrai. Par contre, ça, je commence à faire des dégâts, mais je fais une game pas folle. Ouf, ça touche pas ça. Ok. Ok, fine. Bah joue Kayle, en vrai. Non, par contre, ça, pour ça, c'est fort. Hein. Ah, ok, my bad. Ok, my bad. Ça va être un psycho. Monsieur one shot, les gars, putain. J'en peux plus. En vrai, c'est squishy, je me fais perma one shot. Mais bon, c'est vraiment fort dans les teamfights. Pour le coup, dans les teamfights, c'est vraiment, vraiment, vraiment bon, en vrai. Dans les teamfights, c'est vraiment, vraiment bon, en vrai. Je suis honnête. Je sais pas si vous avez vu, le mec, elle n'a rien pu faire. Elle a rien pu faire. J'ai ulti, puis Q spell. Elle pouvait pas faire grand chose. Je vais faire un cosmique en vrai, pour avoir de la mousse speed. Ouais, Vengo, ça vaut comment, frérot. Ouais, bon, je la posterai pas sur YouTube. Celle-là, je suis un peu deck. Je pensais qu'elle allait pouvoir y aller, mais je la posterai pas sur YouTube. On va tester Brand après. Bah ça va, écoute, chill frérot, on se régale, là on teste des champions. Passe une bonne après-midi, ça va vous kiffer le stream les viewers. Parfait. En vrai, le Riley est banger, par contre, pour le coup. Hein. Quoi, je la mettrais peut-être sur YouTube, en vrai. Là, pour les objectifs, par contre, c'est une folie, Morgana. J'aime bien le champ, en vrai. Mais pour le coup, je me suis vraiment fait out-farm. Mais j'ai l'impression que tu t'en bats les couilles de te faire out-farm avec, avec Morgana. J'ai l'impression que t'as déjà joué Viego en jungle. Ouais, mais je suis trop nul dessus. J'aime bien, franchement j'aime bien, mais c'est vraiment un champion à setup quoi. Mais le mec stun ne peut plus jouer quoi. Je vais essayer de la tuer au top. Et ouais, là, elle peut rien faire. Hein. Pas mal. Après, j'ai beaucoup utilisé sur la Kayle, mais bon. Ok. En fait, avec le Riley, ce qui est pas mal, c'est que tu peux vraiment slow en zone, c'est infernal. Je pense dans un teamfight, là, le Z Riley est vraiment banger pour le coup.
J'aurais dû te faire, j'aurais peut-être dû faire rail les deux en vrai. Je me demande si rail les deux ça aurait même pas été mieux que Zonia. Parce que je l'ai pas tant utilisé que ça, le Zonia au final. Faudrait push ça en vrai. Ok. Je te réponds après, psycho. Je finis juste mon action et je te réponds juste après BG. Oh. J'ai touché quelqu'un, je sais pas qui, mais je l'ai touché. Ah, c'est Akane. Après, j'ai pas mis tant de dégâts que ça en vrai. Honnêtement, j'ai pas fait tant de dégâts. Eh, en vrai, ça fait mal quand même, hein. À force de mettre des Z, ça fait mal. J'en ai touché un encore. Eh, no joke, les gars, mon champion est chiant, hein. Je suis honnête, mon champion est relou, hein. Là, je le slow. Je stun la Kayle, ok. Ok, bon, là j'ai troll. Là j'ai un peu troll. Je crois que j'ai fait n'importe quoi là avec mon ulti. Elle est morte la Kate. J'ai fait n'importe quoi avec mon ult là. Ah, elle se fait stun, c'est dur. J'ai fait n'importe quoi avec mon ult. Je crois qu'en fait il faut que j'ult quand il y a des gens autour. Et parce que moi j'ai ult flash comme si je jouais Illaoi. Et du coup c'est la merde. Petite question Iris, à force de regarder jouer, je me suis mis à s'amuser sur Only depuis sur Lilia Only depuis 20-30 games. Tu fais quand le liandry et quand le bâton circulaire? Est-ce que tu dois attendre d'avoir ton ult pour être impactant sur tes ganks? Le Zonia est-il vraiment nécessaire? Tu conseillerais quoi comme stuff toi? Le Zonia, ouais, franchement le Zonia, tu dois faire chaque game Zonia, même s'il y a des kites ou quoi en face. Je pense Zonia c'est vraiment big. Séculaire, tu le fais quand il y a un ou deux assassins en face pour tendre la game, pour être à l'aise dans la game. Liandry, bah moi je le fais toutes les games quasiment. C'est le bâton séculaire que je. Mais tu peux faire très bien un bâton séculaire toutes les games en soi, tu vois. Ça dépend de ton playstyle et de ton envie de comment tu veux jouer le champion. Là, c'est vraiment à toi de voir, BG. Donc en fait tout est jouable. Attendez, je me focus la team. Je les empêche tellement de jouer. Oh, c'est trop drôle. Là je suis en mode missile prédateur, je fais que tank. Ah, ça c'est embêtant ça par contre. Ah, ça touche pas ça? Ça stun aussi. Ok. Bien joué. Ok, pas mal en vrai Morgana jungle, là c'est fort. Hein. En vrai on aurait pu finir la game en soi. Ouais, tu joues tout le temps en conquer maintenant Lilia BG, ça se joue plus trop autrement. C'est pas mal pour les Drake en soi. Ça se joue plus vraiment autrement que Conqueror. Le Dark Harvest a été trop nerf et du coup Conqueror est vraiment meilleur sur Lilia. Putain, la vitesse de... Faire le Drake est pas mal, hein. La régène aussi. Merde, j'aurai toutes mes Q-spells, putain. Ouais, ça va comme mon gars Akamoka. C'est vraiment un perso de setup de fou. Je me suis un peu mal placé sur les premiers fights et tout.
En vrai, gonache, hein, franchement. Avec le brand, avec brand et moi, on le fait super rapidement. Brand, moi, on le fait super rapidement. Faut juste que Olaf, tu tiennes la mid lane et on est bon. On le détruit, le Nashor. Ah ouais, on le massacre. Ah, ils ont pas le temps, ok. Hop, petite cage. En légende. Non, en vrai, c'est trop marrant, le champion est incroyable. J'ai eu du mal à comprendre comment bien le mettre en place, vu que c'est ma... je suis en first time. Mais vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Je me demande si avec un Never Frost, ça serait meilleur. Il est mort. Le stun. Hop. Oh, la stun elle peut pas jouer. Non mais c'est trop fort hein, les gars, y'a rien à dire hein, Morgana jungle, c'est trop fort hein. C'est une folie. Et ça, et franchement no joke, franchement j'ai fait une game de merde hein, parce que j'aurais pu beaucoup mieux jouer que ça hein. J'ai franchement fait une game pourrie, je pense que j'aurais pu mettre plus de black shit et tout hein. Eh ben elle ira quand même sur YouTube, vous savez quoi? Elle ira quand même sur YouTube en vrai. J'aime bien. J'ai bien aimé, elle ira sur YouTube, voilà.